Jour 1. Ça fait plusieurs jours que des choses étranges se passent dans la maison. Donc j'ai décidé d'installer des caméras dans l'habitation afin de mieux comprendre ce qu'il se passe. En vrai, je pense qu'Ulysse et Angélique me jouent un peu leur tour. Donc je vais voir ce qu'ils font, ces deux polars. Puisque c'est Halloween, c'est sûr que ce ne sont pas des amis. Les gars, vous êtes là ? Il y a quelqu'un ? Yes ! Ils sont pas là ! Je vais pouvoir faire la fiesta ! Ah là, vous, c'est trop la vie, trop la vie, trop la vie. Sans elle, on serait pas en vie, pas en vie, pas en vie. Je vais manger du chocolat, chocolat, chocolat. Les petits trous n'est pas là, n'est pas là, n'est pas là. Ils sont heureusement, comme ça ne pourront pas me piquer ma bouffe. Alors, que pourrais-je faire pour m'épanouir ? Je sais, je vais regarder Netflix. Et pourquoi pas faire un truc en même temps. Pour le coup, j'ai vraiment pas fait exprès, mais je trouvais que ça allait bien vu que c'est une vidéo petit trop, du coup je l'ai laissé. A few moments later. Oh purée, j'entends rien, je vais peut-être lever le son. Mais où est passée la télécommande ? Où est la télécommande ? Où est-ce qu'elle est ? Mais où est la télécommande ? Merde, où est-ce qu'elle est ? Mais où sont passées mes chips ? Les gars, rendez-moi ma bouffe et la télécommande ! Je l'ai pas touché. Mais bien sûr, alors où sont-elles passées ? J'en sais rien. Attendez. Quoi ? J'ai installé des caméras, on va voir où sont passées tes affaires. Comment ça, les caméras ? Depuis quand tu nous espionnes ? Depuis quelques jours, et parce qu'il se passe des choses étranges, et je voulais savoir si c'était vous qui me jouez un de vos tours. J'ai emmené l'ordi, venu, on regarde ce qui s'est passé. Ah la boule, c'est trop la vie, trop la vie, trop la vie. Sans elle, on serait... Bon, tu peux passer là ? Oh, ouais, je suis le roi des dominos. Mais j'ai plus rien à mettre. Oh, si, la télé. C'est bon. Vous avez vu ? Oui. Les gars, je crois qu'il y a un démon dans la maison.
Je crois que je vais aller faire ma valise. Bonne idée, on y va. Mais attendez! On devrait essayer de parler avec lui. Mais tu viens de cogner la tête ou... Non, j'oublie que je parle avec toi. Mais je dois quand même avouer que là, t'es plus con que d'habitude. Hein. Il a pas tort. On devrait essayer de lui demander pourquoi il est chez nous et savoir ce qu'il veut. Mais vous êtes vraiment fou. Il est trop peur, Angélique, sauve-toi. Vous avez encore envie de lui parler? Je crois qu'on ferait mieux de partir de là. Je crois qu'il faudrait quand même essayer de lui parler. Peut-être qu'il veut juste regarder Netflix. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a pris la télécommande. Mais petit trou, tu es vraiment con. Mais pas du tout, je dis juste ce que je pense. Et bah moi je suis toujours de l'avis qu'on devrait partir d'ici. D'ailleurs, moi j'y vais, hein, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Les gars, j'arrive pas à ouvrir la porte, elle est bloquée. Mais comment ça bloqué? Tu te fous de ma gueule là? Oh bah bien sûr, tu crois vraiment que je rigole avec ça? Essaye! Elle est vraiment bloquée la porte! Bon, du coup, on essaie de lui parler. Mais puisqu'on est bloqué ici, on n'a rien d'autre à faire. Puisque je pense pas qu'avec nos grosses fesses, on va arriver à passer par la fenêtre. Oh bah c'est plutôt vos grosses fesses qui ne passeront pas par la fenêtre. Les miennes sont toutes petites. Je tire la ligne, moi, comparé à vous deux. Vous arrêtez pas de manger des chips, des bonbons, des cookies, regardez, il y en a même par terre. C'est toi qui parles, t'étais pas en train de manger des chips par hasard? Oui, mais moi, au moins, je fais du sport après. Les gars, on ferait mieux de se calmer et de parler avec... vous aurez compris. Peut-être qu'on va essayer de le faire partir, hein. Écoutez, il était gentil. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on fait là? On attend? Monsieur le dépôt, nous sommes les propriétaires de cette maison. Et on voudrait savoir pourquoi tu es chez nous et qu'est-ce que tu veux. Voilà, on voudrait peut-être essayer de trouver un accord. Voyez, on n'est pas méchants, on veut juste que vous foutez la paix. Et au passage, pourquoi pas nous rendre nos affaires?